Alors bonjour, bienvenue à ce troisième set d'un 3-2-5 opposant les libellules d'École Thérèse-Martin de Joliette aux Vipères des Laurentides. Les deux premiers sets ont été à l'avantage des Vipères. Joliette, quant à elle, ont perdu leurs 5 sets jusqu'à présent aujourd'hui. Elles auraient besoin d'un petit coup de chance peut-être pour revirer les choses. C'est peut-être ça qui est arrivé. On a une faute au filet, donc des Vipères pour donner le premier point aux libellules. Donc une journée difficile pour Joliette. Il y a toutes sortes de difficultés, autant en attaque qu'en défense. On ramène un ballon facile du côté des libellules qui n'arrivera pas finalement. 2-0. Difficile, on ramène en 4. La 9 se frappe par-dessus le bloc, qui est récupérée par Marie-Florence. Kayla Océane, la frappe d'Océane qui s'entrape. Belle défensive, la libéraux. On remet un ballon. Non, on donne un ballon dans le filet, donc c'est 3-0. Au passant, en avoir en 4 de la 9, sa frappe est envoyée dans le filet. Au service sur la ligne, la réception est envoyée dans le filet. On donne un ballon facile aux libellules. Émijade à Juliette, passe arrière à Kayla. La frappe de Kayla sur la ligne, belle défensive de la libéraux qui est à mieux placée, mais Émijade était là et quelle défensive d'Alexandre pour sauver le point. C'est dans la piscine, on bagarre avec ce ballon. On donne un ballon facile aux Vipères. Passe en 2, la 11, sa frappe était bien placée. La défensive de Marie-Florence est envoyée hors ligne. Un 4, bel échange entre les deux équipes. Et la numéro 5 prendra la place au service. Camille à Kayla, on a voir au centre qui remet le ballon au Vipère. Passe en 4, la 9, ça frappe sur la ligne défensive qui est envoyée hors ligne encore une fois, c'est 2-4. Est-ce que les Bénins ont fait ça? D'Océane, la défensive numéro 5 donne la difficulté à son équipe. On remet quand même un ballon facile aux libellules. Type d'Émijade qui est récupéré facilement. On donne encore un ballon facile aux libellules. Passe en 4 Océane. La frappe est bloquée partiellement au bloc. Et finalement, la course du ballon termine en dehors des lignes. Kayla Moreau au service. Réception au passeur. On a voir au centre. La 12, sa frappe. Puissante frappe. La défensive de Camille est envoyée hors ligne. Service à numéro 11 pour les Vipères. Camille. À Kayla. On envoie Océane. La frappe d'Océane est récupérée par la libéraux. On envoie en 4. La 9, ça frappe par-dessus le bloc. Marie-Florence était là. On revient en 4 à Océane. La frappe de type de couteau d'Océane. Il y avait un soutien là. Et on va donner un ballon facile aux libellules. Marie-Florence. À Kayla plutôt. Et c'est Juliette qui close les bars. Donc, Émijade Lalonde au service. Réception au passeur, ramène au... Non, on redonne le ballon aux libellules. On a 2 à Juliette, son type. Oh!
Jeu scientifique de Juliette, un type au centre qui marque. 7 à 3. On vient avec Amy Jadot au service. On envoie en 4, la 9, Safta, périphérée par Marie-Torrance. On envoie au centre à Gabriel, la femme de Gabriel touche la bande blanche et on finit sa course dans le terrain des Vipères. 9-3, temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des Vipères. On vient à ce troisième set, Amy Jadot au service. Le service est envoyé dans le filet, c'est 4-9. Plutôt 4-8. La numéro 9 au service pour les Vipères. Océane. Réception difficile. On donne un ballon aux Vipères. La 8 gobe le fruit. Mais elle fait une faute au filet dans. Ce qui permet aux Libellules de reprendre le service. C'est 9-4. Réception au passeur, on envoie au centre, la 12, sa frappe est envoyée hors ligne, c'est 10-4. Réception difficile, on ramène en ligne arrière, ballon facile remis aux Libellules. Océane, à Kayla. Jeu en 4 à Marie-Torrance. La frappe manque d'autorité, récupérée par le numéro 11. On en revient au centre. La 12 remet en touche côté des Libellules. Kayla, jeu rapide à Gabriel. Oh, on sauve un ballon. Non, on ne traversera pas finalement. 11-4. Touche au ballon qui va hors ligne, c'est 12-4. Section au passeur, la maintenant 4, la 7, ça tape par-dessus le bloc, va hors ligne. C'est 13-4. Un autre temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des Vipères. On prend ce troisième set au centre de Barrette sur une belle séquence au service. On équipe Menbar 9 points. Un autre ballon facile remis aux Libellules. On ramène au centre Juliette, son type plongeon de la numéro 8 pour sauver le point. On se dit Libellules pour ça avec la pression. C'est Gabriel qui va d'un type récupéré facilement cette fois-ci. Passe au centre, la 12, sa frappe est bloquée partiellement et elle clôt le débat, 5-13. Autant les Vipères donnent beaucoup de ballons faciles aux Libellules, autant les Libellules ont de la difficulté à capitaliser sur ces ballons faciles. Océane, sa frappe 3 mètres et est envoyée hors ligne après avoir touché le bloc. Donc, Juliette reprend le service, c'est 14-5. Let's go, Libellules! Réception à touche, Alexandre, on envoie en 4, la 8, ça frappe par-dessus le bloc, belle défensive d'Océane, on donne ce un ballon facile aux Libellules, la 9, Alexandre ramène en 4, la type est récupérée facilement par Juliette, type de Marie-Florence cette fois-ci, on donne en 4 à la 8 qui est bloquée, passe en 2, la 5, ça frappe et bien placée. Un beau plongeon de Camille en ligne arrière. Et Marie-Florence, puissante frappe qui est bien récupérée en défensive. La 8, sa frappe touche le bloc partiellement. Un bel échange entre les deux équipes. C'est Juliette qui va d'une belle frappe. Passe en 4 encore une fois. La 8 récupérée en touche d'Océane. On donne un ballon facile au Vipère. La frappe récupérée par Camille. C'est au tour de Libellules d'avoir la pression. Et Gabriel Ricard va avoir un ballon hors ligne sur le ballon. Un beau, un bel échange. 6-14. Océane accueille la passe à Gabriel qui a un ballon en ligne. 7-14.
interception difficile. On remet dans 4 à Marie-Florence. Oh! Frappe scientifique de Marie-Florence Marchand sort son équipe de l'eau chaude. Elle reprend le service, c'est 15-7. Gabriel Ricard, service pour Joliette. On envoie en 4, la frappe est envoyée hors ligne. On reprend ce troisième set, Gabriel Ricard au service. La réception est envoyée hors ligne, c'est 18-7. Service hors ligne, 8-18. Au service, le numéro 8 pour les Vipères. Juliette accueille la passe arrière à Gabriel. Sa frappe est récupérée par le numéro 8. Alexandre passe en 4. La 9, sa frappe est bloquée. Et le point marquera donc un beau bloc d'Émigeant de Lalonde. 19-8. Marie-Florence Marchand au service pour les Libellules. On est envoyé hors ligne, c'est 20-8. Réception difficile, on ramène vers le centre, on donne un ballon en touche au Libellule. On donne le ballon, c'est-à-dire immédiatement au Vipère qui repasse en 4. La 9, sa frappe est bloquée par Kayla. On bagarre avec ce ballon. Ballon facile remis au Libellule. Gabriel à Juliette passe en 4 à Ossane. La frappe d'Ossane est envoyée dans le filet. 29. Ou plutôt 9 à 20. Océane à Kayla passe à Emijad. La frappe d'Emijad est bloquée partiellement. Personne n'était là en soutien. 21-9. Réception au passant. On envoie au centre. La 12, sa frappe envoyée hors ligne. On a eu une faute au filet, cela dit. Le point ira donc au Vipère. C'est 10-21. Gabriel à Kayla passe jeu rapide à Emijad. On ramène en 4. La 9, ça frappe par-dessus le bloc et récupère en touche par Kayla. Emijad va dans le difficile. Elle va mettre le même du côté des Vipères qui redonne le ballon immédiatement aux Libellules. La 11. On ramène au centre. La 12, son type dans la piscine. Plongeon d'Océan. On remet un ballon facile, c'est-à-dire aux Vipères qui poursuivent avec la pression. La 9, ça frappe est bloquée par Emijad. Belle séquence au filet de la part des Libellules. Et c'est sur un jeu au filet que l'échange terminera en faveur des Vipères. C'est-à-dire qu'il y a eu du beau travail de part et d'autre. 11-21, 10 points d'écart maintenant entre les deux équipes. Marie-Florence à Kayla passe en 4 à Juliette. La frappe de Juliette touche le bloc et tombe du côté des Vipères. 22-11. Service d'Émigeant de Lalonde, la réception est difficile, on bagarre avec ce ballon, ballon facile remis aux Libellules. Émigeant à Kayla, la frappe de Gabriel est bloquée. L'échange se poursuit, la 8 récupérée par Émigeant passe en 2 à Juliette. Le jeu malheureusement avorte avec une frappe dans le filet, c'est 12-22. Au service pour les Vipères, la numéro 9. Passe en 2 à Océane. La frappe d'Océane bien placée sur la ligne en 5. C'est 23-12. Océane des Barrettes au service pour Joliette. Ça va s'envoyer dans le filet. Thank you.
joue de chance sur cette réception. Elle tombe sur la ligne en 4 du côté des Vipères. Et le point marque pour les Libellules, c'est point 17, 24-13. On amène la ligne arrière. La 9, ça va récupérer en touche par Marie-Florence. Deux chances arrière à Kayla, la frappe de Kayla. Tombe sur la ligne, c'est ce qui termine le troisième set. Victoire de 25-13 des Libellules.